Bonjour à tous et bienvenue pour le sixième épisode d'Underground. Alors ça fait quand même plusieurs jours que j'ai pas été sur la map, hein. J'avais fait les premiers épisodes, on va dire quasi à la suite. Après je me suis consacré à d'autres épisodes et tout ça. Oh ça fait bien une bonne semaine si c'est pas loin d'une semaine et demie que j'ai pas été sur la map. Alors le temps de me remettre dans le bain et tout ça, de me rappeler un peu tout ce qu'on avait fait et tout ça, puis surtout en plus j'ai perdu mon petit papier, c'est que j'avais noté tous les objectifs, il a fallu que je regarde un peu tous les objectifs qui avaient été faits. Normalement j'en ai pas oublié. Aujourd'hui on va se consacrer, puisque le dernier coup on avait fait quand même pas mal d'objectifs, hein, je sais plus combien je les avais comptés, il y en avait 16 de faits, quelque chose comme ça, je me rappelle plus trop. Et aujourd'hui, on va se consacrer, je pense, pour cet épisode, il faut que j'arrive à trouver du diamant. Parce que le stuff iron, c'est magnifique, c'est tout beau pour démarrer. Mais le diamant, ce serait quand même formidable si je pouvais en trouver. De façon à pouvoir faire une table d'enchant, pour commencer. Et surtout... Surtout, arriver à me faire un meilleur stuff. Alors, je sais pas si la génération du diamant a été modifiée de telle sorte à en trouver un peu plus, un peu comme l'or, parce que c'est vrai que je trouve quand même pas mal d'or. Mais bon, on va aller voir ça tout de suite. Alors, la première chose, ça va être d'atteindre la couche du diamant, parce que j'ai toujours pas été dans la couche du diamant. C'est 0 à 64, et j'ai toujours pas été dans la couche du diamant, parce qu'en plus, si je me trompe pas, même au niveau. Du mineshaft qu'on avait trouvé, il était, ah non, il était à 39, donc on aurait dû y avoir, et on n'a pas trouvé de diamant. D'accord. Bon, après, j'ai visité le mineshaft et j'ai pas miné dans le mineshaft. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, c'est que je vais me préparer des pioches parce que il va falloir de la pioche. Je vais préparer de la pioche, je vais prendre des torches. Normalement, j'avais des torches, mais pas de torches, non? Oh, je dois avoir du charcoal quelque part. J'en ai pas fait du charcoal. Non, c'est de la stone, tout ça. C'est tout ce que j'avais fait pour la déco et tout ça. D'abord, c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est peut-être une bonne chose à faire. On va récolter le blé. On va récolter les cultures. Pour commencer, un peu tout ce qu'on peut récolter. Tac, tac. Tout ça. Tac, tac. Oh, j'arrive pas à replanter là. C'est étonnant. Je récolte tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire les animaux tant que j'y suis. Parce que ça, par contre, ça va être important de pouvoir les reproduire. Il va me falloir forcément des bibliothèques. Pour avoir des bibliothèques, il va me falloir du cuir. Pour avoir du cuir, il va me falloir des vaches. Et des vaches, j'en ai pas beaucoup. J'aimerais en avoir un peu plus parce que. Eh ben, il me faut 16 bibliothèques, ça veut dire. Ben, il me faut 15 bibliothèques, ça veut dire qu'il faut 45 cuirs. Ça fait 45 vaches. Et encore plus. Ça peut être plus ou moins parce que c'est. Elles peuvent ne pas dropper du tout de cuir. Donc on va partir sur la base qu'elles vont toutes nous dropper un cuir. Et rien que si elles nous droppent un cuir, il faut quand même 45 vaches, quoi. Hein. Donc je me demande si. Oh non, ça devrait aller. J'étais en train de me tâter, voir savoir si je fais une usine à vaches, mais non, oh non, on va pas faire une usine à vaches. Ça n'aura pas un très grand intérêt. Par contre, je suis en train de me tâter. Il y a une chose que je vais faire, que je vais sûrement faire. C'est peut-être une usine à poulet. Ça, c'est peut-être intéressant de faire une usine à poulet. Comme ça, on aura nourriture illimitée. Parce que c'est vrai que niveau nourriture, on n'est pas fameux. Je vais prendre ça avec parce que je vais me refaire de la nourriture. Malgré qu'on commence à avoir du pain, alors c'est plutôt bien. C'est dommage, j'aurais voulu avoir de la pomme de terre, mais ça on n'en a pas encore. Mais ça viendra. Avec un peu de chance, hein, il y aura bien un zombie qui va nous en looter. Hein. Par contre, ce qui est intéressant à récupérer, c'est les œufs. Si je fais une machine à poulet, ce sera plus simple de mettre des œufs. J'aurais pu prendre des graines pour les reproduire. Je vais les reproduire. Ce sera plus simple de mettre des œufs dans la machine à poulet pour avoir ne serait-ce que deux poulets, ce serait merveilleux, que d'essayer de mettre les poulets. Parce que les poulets, c'est un peu galère à chaque fois de les mettre dedans et tout. Enfin bref, c'est pas trop grave si on peut pas faire autrement, mais ce serait quand même bien. Toi et toi, et voilà, un petit, et toi, il n'y a pas besoin. Toi, je vais t'en donner un petit peu pour que tu grandisses. Toi, je vais t'en donner un petit peu pour que tu grandisses un peu plus vite. Toi aussi. Voilà, ah bah j'ai donné toutes mes graines.
Les vaches, venez ici. Il y en a combien? 3. Un, hop, voilà. Et toi, je vais t'en donner un petit peu pour que tu grandisses un peu plus vite. Ça serait bien. Le reste, c'est pour moi. Et les moutons, c'est pareil. Il va me falloir du mouton parce qu'il me faut de la laine. Donc, tac, tac. C'est marrant parce qu'ils ont grandi plus vite, ceux-là. Ah, le coin là était peut-être chargé. Le coin là était peut-être chargé quand j'étais dans le coin, je sais pas. Je ne sais pas. Le reste, je vais le crafter pour moi. Hop, comme ça j'ai de la nourriture. Je pars avec de la nourriture. Tac, tac. De toute façon, ça va pousser. On va miner en dessous. On va partir en colimaçon direct. Hein, on va pas s'embêter. Les œufs, je vais les stocker. Non, j'ai un coffre pour la nourriture. Non, ça c'est le bois. J'ai pas un coffre pour la nourriture. Il me semble que j'ai un coffre pour la... Ah oui, je savais bien. Donc je vais mettre ça ici. Après j'ai la rotten flèche. Et puis j'ai les pommes aussi en cas de nécessité. J'aurais pu couper les pommes aussi, mais bon. Je dois avoir... Alors celle-là, elle est moitié cassée comme l'autre. Donc tac. Ah non, ça c'est la pioche en diamant. Je vais pas la casser. Je la garde pour le moment. Ah mais alors si j'ai une pioche en diamant, j'avais trouvé du diamant. Bah j'avais trouvé du diamant, mais oui c'est vrai, j'en avais trouvé 3 des diamants. J'avais oublié ça. J'avais oublié que j'avais trouvé des diamants. Je croyais que j'en avais pas trouvé. Mais bon, ça n'empêche pas, il faut quand même qu'on aille, faut quand même aller en chercher. On n'en a pas assez. J'aimerais faire un stuff, donc ça va être session minage. Bon, je vais pas le filmer, hein, vous inquiétez pas. D'ailleurs, il m'en reste encore 3. Effectivement, j'avais déjà trouvé du diamant. Bah, je pourrais me faire la table d'enchant en même temps. Je pourrais me faire la table d'enchant. Oui, je pourrais éventuellement me faire la table d'enchant. Mais j'ai... Ah, je suis limite en level. Après, je peux aller miner du quartz pour faire du level. Ça pourrait être intéressant. J'avais oublié ce détail-là. Oh, on va partir en exploration. On part en exploration. On va essayer de chercher du diamant. Allez, hop. Je suis parti dans l'idée là. Je prends du bois avec moi. Je vais prendre un stack. Je prends du bois. Oh, je pense qu'un stack de bois comme ça, c'est suffisant. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas mal de torches. J'ai un peu de blocs. J'ai du fer sur moi. J'ai de quoi crafter des manches. J'ai une table de craft. J'ai une pelle en stone. J'ai une pelle. J'ai une hache qui devrait pas me servir. Je ne pense pas. Mais je la prends quand même. Sait-on jamais. On verra bien. Là, des fois, quand on tombe sur un mineshaft, encore une fois. Sait-on jamais. Allez, je vais me faire des petits sticks. Tac, tac. Je vais m'en refaire tout de suite une deuxième pioche parce que celle-là, elle va pas tarder à casser. Ça sert à rien. Tac, tac, allez, c'est parti. Ce que je fais, c'est que je descends par là et je vais partir par là. Sauf que là, je vais partir en colimaçon directement, histoire de rester en dessous du spawn. Voir ce qu'on va découvrir en dessous. Parce que par là, je sais plus ce qu'il y a par là. Il y a quoi par là? Je me souviens plus ce qu'il y avait par là. Hop là. Il y a un trou. Ah oui, c'était les galeries et tout ça. Ah ben on peut partir de par là, on repart de par là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un escalier histoire de pouvoir remonter. Tac, 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 tout ça c'est éclairé. Et je vais partir, admettons. Allez hop, on repart par là direct. Tac, tac. Les torches, c'est vrai qu'on est en 1.8, j'avais oublié. Bon, allez, je descends, je mine, je vais jusqu'à la couche du diamant, et si je trouve quelque chose, je reprends l'enregistrement. Allez, à tout de suite. Bon, découverte de quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais à mon avis, c'est un spawner araignée. J'entends les araignées derrière. Ah non, c'est pas un spawner. Ah si, c'est un spawner araignée. Donc, bah, c'est pas formidablement intéressant, quoique c'est pas très loin de la base. Il y en a une au plafond, ça c'est sûr. Elle m'a touché. Ça a toujours été la hitbox des araignées, moi, la portée des araignées. C'est phénoménal à la distance où c'est qu'elles peuvent nous atteindre.
Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Du fer, une selle, je sais pas si elle me servira un jour, un peu de blé, ça peut être intéressant. Encore une selle, de la poudre de creeper, des seaux, de la ficelle, intéressant pour faire des arcs. Par contre, on pourra farmer des araignées, ça c'est, je vais le noter, un spawner, parce qu'il est pas loin de... Il est pas loin. C'est le deuxième spawner que je découvre. Je vais rajouter spawner à araignée. On va le mettre en... Je veux pas qu'il bigeonne trop en couleur. Allez, tac. Voilà. Petit spawner à araignée supplémentaire. On fera l'exploitation pour faire de la ficelle, tout ça, machin, machin. On verra bien. Voilà, je continue mon exploration. Là, je suis tombé dans une caverne. Je suis dans la couche du diamant. Normalement, j'ai trouvé un peu de lapis. Là, je vais le récupérer. Et je continue mon exploration. Petit retour, je reviens vers vous tout simplement parce que je viens de découvrir, enfin je viens pas de découvrir, j'ai un Enderman qui est à côté de moi. Et dans un des défis, je dois tuer un Enderman, faut que je fasse gaffe, j'ai une caverne juste au-dessus de moi. Je dois tuer un Enderman à la main, bah ça va être le moment de le faire tout simplement. Donc je me fais un petit espace histoire qu'il puisse pas me toucher. Hein, parce que lui il fait très mal l'Enderman et on va le tuer à la main. Alors, tac, tac, petite torche là pour histoire que ça spawn pas tant que je suis pas là. Et ici toi, viens là. Oh, viens là. Hey. Hey oh. C'est toujours aussi... Ça a toujours été bugué en 1.8. Viens. Allez, viens! Allez, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Meurs, Landerman, meurs, Landerman, meurs, Landerman. Allez! Allez! Oh la vache, ils ont du point de vie. Hein. Ah, voilà, ça y est! Et ça, c'est fait. Ça va, il n'y en avait qu'un tué à la main, parce que si je devais en faire 5, ça fait beaucoup quand même. Ça, c'est fait! Allez, un objectif de plus. On continue l'exploration. Normalement, j'en ai un qui est juste en dessous aussi, mais celui-là, je vais le tuer à l'épée. Parce que tout simplement, j'aimerais qu'il me loot des perles à un moment donné. Et c'est pas le cas. Ah non, bah, il est plus là. Ah, ça devait être celui-là alors. Ça devait être celui-là. Bah non, il n'est plus là. Bah ça devait être celui-là. Alors il a dû remonter pendant que j'avais le dos tourné. Ça doit être ça, à mon avis. C'est tout, je continue mon exploration. Je vais passer là-haut, je vois un peu ce qu'il y a là-haut, parce que là où j'ai pas encore été. Les torches à la main, mais il ne doit pas y avoir grand-chose, ça redescend. Bon, on se retrouve après que j'ai fait un peu le tour de toutes les cavernes, là, parce que tout simplement, je vais remonter à la base. Pourquoi je remonte à la base? J'ai toujours pas trouvé de diamant, hein, je le dis tout de suite. Pourquoi je remonte à la base? Tout simplement parce que je suis complètement perdu, malgré les waypoints que j'ai mis. Je n'arrive pas à retrouver le spawner du début. Et bon, bah après, comme j'ai dit, j'ai deux solutions. Soit je remonte à l'arrache directement à la base, ou soit je vais vers le spawner à araignée à l'arrache. Je pense que la meilleure solution reste d'aller à la base, tout simplement parce que je suis quasi full inventaire. Bon, il y a des trucs que j'aurais pu me débarrasser, mais bon, je suis pas loin de la base, je suis à 50 mètres de la base, 45 mètres de la base. Bon, je me dis que le mieux, ça reste quand même de remonter. Qui sait, on va peut-être découvrir quelque chose au passage, hein, on ne sait-on jamais, hein, on n'est pas à l'abri de découvrir quelque chose au passage, un autre spawner ou quelque chose comme ça. Ce qui serait plutôt chouette, j'aimerais avoir un spawner à squelette. En parlant de squelette, je sais pas si vous voyez dans ma barre d'inventaire. J'ai tué un squelette qui m'a looté un arc enchanté. Alors l'enchanté est pas phénoménal, c'est de l'unbreaking. Il n'y a rien de plus dessus. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un arc. Hein. Manque plus que les flèches. Après les flèches, j'ai pas encore beaucoup de poulets, donc je peux pas trop farmer de poulets. Mais comme j'ai dit, on va peut-être éventuellement se consacrer, on va peut-être se faire une usine à poulets. Parce que du gravier autour de nous, on en a pas mal. Hein. Il y a beaucoup de gravier de toute façon, parce qu'il y a même un objectif gravier, si je me trompe pas. Si je dis pas de bêtises.
Y a-t-il un objectif gravier? Un objectif gravier. Un récolter. Ah non, il n'y a même pas d'objectif gravier, à mon avis, parce que justement, il est trop facile d'en trouver. Enfin, il y en a de toute façon. De toute façon, il y en a beaucoup autour de nous. Ma pioche va bientôt casser, c'est pas grave. On en fera une autre. Et puis voilà, bon, bah, ce que je fais, je remonte. Et je retourne en exploration. Je vais repasser par là où c'est que je suis passé tout à l'heure. Je le disais tout à l'heure. Je le disais qu'il y avait du gravier. Par contre, je sais pas où c'est que je vais atterrir. J'espère que je vais pas atterrir dans mon champ. Ça m'embête un peu. Ah si, je suis en plein dans le champ. Là, je suis. Là, c'est les élevages. Là, c'est le champ. Là, c'est les. C'est le bois, ça. Je suis en dessous du bois. Donc, je vais continuer. L'entrée des cavernes, elle est où? Pourquoi j'ai un point rouge? Je sais pas ce que c'est. Je vais avancer. Je vais avancer tout droit. Parce que j'ai pas envie de casser mes cultures. Et là, je sens bien que de toute façon, je suis en dessous de quelque chose. Ça se voit, il y a trop de terre. Il y a trop de terre au-dessus de ma tête. Voilà, me voilà ressorti de ma caverne. Alors, j'étais pas bien loin, en fin de compte, c'est bien ce que je disais. J'ai été sous les arbres qui sont placés ici. J'ai longé le long. J'ai pas voulu casser ce qu'il y avait au-dessus de ma tête et j'ai bien fait. J'ai longé un peu. Je me retrouve derrière là, les blocs de glace qui sont là. Donc, pas de souci. Je suis de nouveau dans ma base. Je vais pouvoir me déstuffer. Ah, j'étais pas très loin quand même en dessous parce que les cultures ont poussé donc je devais pas être trop loin, je devais pas être très loin. Et eux ils ont grandi, eux ils ont grandi, eux ils ont fait des œufs. Ah, je devais. Les chunks étaient chargés, j'étais pas loin, j'étais vraiment pas loin. Oh, bah, je suis fou l'inventaire. Sauf toi, toi. Bon, en attendant, j'ai toujours pas trouvé de diamant. Hein. Bon, après, à chaque fois, c'est pareil, je pars pas très longtemps. Et à chaque fois, je suis full inventaire parce que je découvre des spawners, je découvre ci, je découvre ça. Je découvre pas mal de choses à chaque fois. Il y a pas mal de choses à découvrir, mais bon, pour le moment, j'ai même retrouvé un autre mineshaft hein, que j'ai pas visité, j'ai pas été encore parce que j'étais full inventaire, ça servait pas à grand chose. Par contre, on va se faire du fer. Pour commencer, on va pas se faire du fer, on va prendre du fer. Tac, tac, deux de fer. Tac, table de craft. Non, pas besoin de table de craft. On peut faire ça ici. Tac, tac, tac. Et on va aller tondre du mouton. Tac, tac. Allez. Ce serait plutôt bien. Bon, première chose que je vais faire, je vais de nouveau reproduire les animaux. Je suis parti suffisamment là longtemps, d'après ce que je vois, pour que ceci soit suffisamment grand et suffisamment, on va dire, attendu. Et je vais récolter un peu tout ça parce que ça a bien poussé, hein, malgré tout. Bon, je me suis déstuffé. Il me reste encore ça à déposer. Ça, je vais peut-être reprendre du fer avec moi. Je retourne en explo, hein, tant que j'ai pas trouvé ce que je voulais ou. De toute façon, faut que j'explore, il n'y a pas le choix, il faut que j'arrive à trouver, à avancer un peu, parce que là pour le moment j'ai pas beaucoup avancé. Mais bon, à chaque fois on trouve, on fait des découvertes, on revient, il y a full stuff et tout ça, enfin bref. Vous voyez bien le délire, hein, de toute façon. J'ai des torches, j'ai du charbon, il me reste encore assez de bois pour le moment. J'ai de quoi crafter des pioches, j'ai une pioche. J'ai quand même la garder, sait-on jamais. Je pars en exploration et cette fois-ci, parce que j'en ai marre de pas tomber toujours sur les mêmes cavernes, parce qu'en fin de compte, la caverne que j'ai visitée retombait sur une autre caverne. Bah voilà le spawner. Ah oui, mais il est même pas loin le spawner. Il est par là le spawner en fait. Il est par là. Ah ouais, il est même pas loin le spawner en fait. Il est même pas loin. D'accord, ok. Ah, il est pas loin, ça peut être intéressant ça. Ça peut être intéressant. Donc je vais partir un peu de l'autre côté. Histoire de voir, parce que je pars toujours du même côté. Et c'est peut-être pas forcément bon, hein, mais bon, on a découvert des spawners et tout ça. Mais ce serait peut-être intéressant de partir de l'autre côté. J'ai pas été de l'autre côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je pars de l'autre côté. Voir ce que je vais découvrir d'intéressant de ce côté-là. Enfin, du moins d'intéressant. Essayer de trouver des cavernes qui regroupent des diamants. Je vous retrouve juste après.
Entre-temps, j'ai été faire de l'XP, je me suis fait mon armure, bon, cette fois-ci elle est complète, alors protection 2, protection 3, protection 3, protection 2, c'est pas formidable, mais pour aller faire un tour dans le Nether, c'est déjà bien, j'ai été plusieurs fois faire de l'XP, j'ai une Sharpness 4, une Breaking 3, ce qui va nous permettre de farmer un peu de blaze, bon j'aurais bien voulu avoir un looting, mais là pour le looting il faut un minimum de 27 je crois, c'est 27 levels pour avoir le maximum de chances pour avoir un looting qui me permettrait d'avoir des têtes de wither puisqu'il faut faire un wither donc forcément il faudra du looting pour avoir plus facile quand même pour avoir des têtes de wither. Alors, je verrai bien ce qu'il y a de plus simple ou une ferme à XP. De toute façon je vais faire une ferme à mob aussi, il faudra faire une ferme à mob, hein, ça fait partie des objectifs. Alors pourquoi ne pas faire une ferme à mob qui donne aussi de l'XP, je ne sais pas, on verra. On est en 1.8, en 1.8. Est-ce que je suis en train de réfléchir? Si, si, il me semble que en 1.8 les endermites existaient déjà. Si les endermites existent déjà, on pourrait éventuellement se faire une ferme dans l'End. Ça ira assez vite, hein, il y en aurait pas. On ferait pas une grosse ferme comme je fais sur Itagraph ou truc comme ça. Mais ça pourrait permettre de faire une ferme quand même, éventuellement. Pourquoi pas? Sait-on jamais? On verra bien. Ou sinon, il faudrait que je fasse un spawner. Il faudrait que je trouve un spawner dans le coin, un spawner à squelette. Ce serait formidable, le spawner à squelette. Sinon, on verra bien. Après, les enchantes, j'en ai pas besoin tout le temps, tout le temps. Mais j'aimerais bien avoir ce qu'il faut quand même. Je pense qu'au prochain épisode, on va s'occuper éventuellement des champs. Hein, on verra bien. J'ai commencé à planter des patates aussi. Tiens, j'ai planté les patates et j'ai planté les carottes, hein, histoire de pouvoir faire les cultures. Donc, je vais m'agrandir de ce côté. Là par là et éventuellement je sais pas je sais pas je sais pas j'irai peut-être miner j'irai miner hors caméra éventuellement pour essayer de trouver du diamant. Faut vraiment que je trouve du diamant, j'en ai pas assez donc j'irai essayer de miner hors caméra. Donc la prochaine fois on ira soit dans le Nether ou soit on va s'occuper éventuellement de la bouffe, ou on fera peut-être les deux, je sais pas, on verra bien. C'est comme je l'ai dit, je vais essayer de faire une usine à poulets. L'usine à poulets c'est ce qu'il y a de plus simple, ça va très vite à faire, on a les poulets juste à côté, il y en a déjà pas mal. Je vais aller récupérer les œufs et ça permettrait d'avoir de la bouffe en assez grosse quantité quand même, bien que là je suis en solo, je suis pas en serveur. Donc il faudrait que je reste à AFK, mais bon, rester à AFK, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai 14 œufs. On a déjà une chance d'avoir un œuf dedans, un poulet dedans. Il faut juste deux poulets. Après, je les reproduis dans la machine et c'est bon. C'est le principal. Voilà, voilà pour cet épisode. On va se laisser là pour cet épisode. Je vous dis rendez-vous à la prochaine pour un prochain épisode. Allez, ciao, ciao.